Bonjour, la plupart des maîtres de midi ont été recalés des sélections des 12 coups de midi. Alors vous allez me dire, mais pourquoi cela? Alors je vais vous expliquer tout bêtement. Alors tout d'abord, Jean-Luc Reichmann aime à le rappeler, Émilien, eh bien, avait été recalé de l'émission. Alors pourquoi cela? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que au moment où il a voulu venir dans le jeu, eh bien, il y avait déjà un maître de midi. C'était Stéphane ou un autre, ils étaient contents du maître de midi, donc ils n'avaient pas besoin d'Emilien. Donc quand Stéphane ou un autre maître de midi a été éliminé, à ce moment-là, comme d'habitude, vous avez, bon, pendant un certain temps, des maîtres de midi, bon, qui vont rester quelques jours ou quelques semaines, et qui se feront éliminer sur des, avec des, ils auront des questions de, en coup fatal, plus difficile, etc., pour montrer que le jeu est honnête, etc., etc. Et un jour, eh bien, on verra arriver, eh bien, une personne qui fait partie des clubs de questions pour un champion, et ça sera le nouveau champion. Donc, voilà pourquoi Emilien a été recalé. Il était trop fort, tout bêtement. Et au moment où il a voulu venir dans le jeu, il y avait déjà un maître de midi, et ils étaient contents du maître de midi, donc pour l'instant, ils n'en avaient pas besoin. Donc là, pour l'instant, ils sont très contents d'Emilien. Donc il y a sûrement quelqu'un qui s'est inscrit au 12 coups de midi qui a été recalé. Mais quand il va être éliminé, Emilien, eh bien, bon, pendant un certain temps, il y aura quelques maîtres de midi qui vont rester quelques semaines et ils vont rappeler, eh ben, le mec qui vient du club de questions pour un champion. C'est tout bête. Allez, je vous dis à plus tard. Bye bye.